chose que j'étudie le plus, c'est comment aider les Français de l'étranger à accéder à tout, à pouvoir leur rendre service ponctuellement. Pour l'instant, il s'agit de ça. C'est ça que j'ai accepté et rien d'autre. Il s'agit des Français de l'étranger. Les aider sur tous leurs problèmes ponctuels de retraite, aider les gens s'ils ont par exemple, tous les pays où les diplômes ne sont pas reconnus dans le pays, essayer de voir comment on peut agir au niveau ponctuel. Enfin, c'est sur un... Pour l'instant, sur quoi je veux agir, moi, qui ne vais pas être à l'Assemblée, c'est aller faire, essayer de véhiculer la culture française dans ces pays-là, les aider à amplifier la francophonie. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses au niveau diplomatique. J'adore la politique. Je me pensais, mais je n'ai pas aucune prétention d'être aujourd'hui une femme politique accomplie et d'avoir un discours. C'était votre bizutage ce soir ici. Après cette expérience, vous allez faire quoi? Vous comptez continuer? Vous comptez... Je n'ai strictement aucune idée si je vais continuer ou pas. Pour l'instant, il va y avoir cette élection. Si jamais on était élu, moi, j'ai vraiment des intentions d'agir personnellement, mais sur des choses. Mon choix, c'est l'éducation et la culture, essayer de véhiculer dans ces pays-là, de véhiculer la francophonie, d'essayer de... Parce que je sais que c'est un petit peu en berne, la diplomatie francophone, que la langue française qui était tellement parlée partout ne l'est plus. Donc moi, j'ai vraiment une intention d'agir, d'aller faire des missions pour voir ce qu'on peut faire à ces niveaux-là, qui est mon petit niveau à moi.